Moi YouTube, toutes mes salutations. On est encore sur Metroid Prime 3. Ça sent quand même la fin. Hein. Je dois vous avouer que là, vu le matos qu'on a et tout, ça sent la fin. Regardez, l'hyper mode, qu'est-ce qu'on a? Ah, il nous manque encore un truc. L'armement, il nous manque rien. La boule morphing, il nous manque rien. Les viseurs, il nous manque rien. L'armure, il nous manque rien. Et les grappins, il nous manque rien. Donc a priori, on est quand même sur la fin, quoi. Hein. Peut-être que je m'avance. Je ne sais pas. Alors, faut que j'aille au premier, j'ai dit. Ah, mais je vais sûrement pouvoir tirer à travers la porte, c'est ça, non? Non, c'est pas ça. Attention, petit chat qui cache évidemment la Wiimote. C'est rigolo quand on passe. Quand elle passe, je peux plus rien faire. Alors, le générateur. Je les avais pas scannés, eux. Ah, tiens, encore un là. Oh, j'ai piqué sa vie. Et ouais, je t'ai piqué ta vie. Ah. C'est trop bien fait. Terminal fournit l'énergie au bouclier proche. Denryla pour désactiver le bouclier. Quoi ça? Rendez résistant aux attaques. Surchargé par du phason. Ah mais fallait peut-être utiliser le... Non? Allez, go là-dessus. Terminal n'a plus d'énergie, super. Il n'arrive pas à me toucher, c'est rigolo. Moi je peux. Pourquoi il y a...
Oui, un tentacle là-bas. Bouclier de défense actif, les forces de fédération ne peuvent pas donner l'assaut. J'activais empêcher d'accès à l'unité de contrôle alimentée par un noyau d'énergie. Bah on va lui casser sa gueule au noyau d'énergie, c'est tout. Regardez normalement. Paf. Non, ça marche pas. Zut. Ça. Alors, le X. Le casque de Samu. Le U. Et le vaisseau. Le vaisseau pigeon. Ça ressemble quand même vachement à un pigeon. Merde, ils ont appelé les renforts. Alors. Ah merde, faut que je remonte après. Oh. C'est chiant. Je viens de tout descendre là. Pourquoi vous me faites remonter? Qui peuvent me suivre? Ou pas? Je ne sais guère. Ah ah ah, non non, pas par là. Hop. Merci. Et donc là, paf, le bouclier. Ah. Moi, les malins, les pirates, là. Hein. Par contre, c'est toujours les tentacules chelous, hein. De défense anéanti quoi. Outstanding job, Samus. I knew the Federation could count on you. I've given the order to begin the invasion. I'm headed down there with the troops. Meet me at these coordinates. Ok, donc faut que je le rejoigne. Oui, il veut que je le rejoigne ici. Pourquoi il veut que je le rejoigne là, là? C'est quoi ce coup fourré là?
Surchargé par du phason. Marche pas du tout. Ou alors c'est avec ça ? Non. Non plus. Mais... Comment je... Attendez. Ah non, faut que je sois en mode phason. C'est chelou. J'ai pas compris. Hop. Là on grimpe. Quoi? Oh là là, cette carte. Ah, c'est de la merde ce truc, d'accord, ok. Oui, c'est vrai. Et je viens de comprendre. Donc là, faut que je tourne. Non, mais je suis encore planté, mais c'est pas. C'est incroyable. C'est incroyable, hein. Ah, c'est bien là, ouais, on arrive, ok. Et on va arriver à l'ascenseur. Incroyable à quel point cette carte est nulle, hein, vraiment. Le reste du jeu est plutôt ok, mais alors la carte... Hop. C'est par là. C'est par là, hein. Ah, le doute. Le doute maintenant, quoi. Ça m'a rien filé quoi. T'as des copains? Et avec le général Druskov. I don't say this often, but I sure am impressed. That said, you've still got work to do. Up ahead is the pirate cargo line that leads to the sea. There's a large security door located at the end. Four demolition troopers are needed to open the final door, so you need to make sure enough of them make it safely through this area. Oh non, fou, non. Only one who can destroy the sea. We'll help along the way. Once we get there, it's up to you to finish the job. Comme d'hab, hein. Do some damage. Oh, va falloir que j'aide des Va falloir que les mecs ne crèvent pas quoi. Et ça c'est sûrement le pire. Les missions d'escorte. C'est pas ce qu'on kiffe le plus, hein. Ok, donc il y en a encore 12.
Oh là là. Non, une mission d'escorte, c'est nul. C'est nul, pourquoi ils ont fait ça? Terminal non alimenté, qui contrôle toutes les portes d'accès, établissez l'alimentation pour les ouvriers. Système de transit, fermé, rétablissez l'alimentation du terminal pour pouvoir y accéder. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe, mais... Il y en a un qui est mort quoi. Boulet. Quel boulet? Mais vas-y. Mais combien il te faut de missiles toi dans ta tronche? Bah vous avez vu le nombre de missiles? Je vais me mettre devant. Si je prends les coups, c'est pas eux qui les prennent. C'est quoi là? Rien du tout. Il y a ça. Il n'y en a que deux, hein. Okay.
Et merde. Non mais vas-y. Oh, je récupère de la vie, y'a trop bien. Mais non, mais pourquoi il est mort lui? Attendez, hop. Allez, vas-y, parce que là... Autre chose à foutre, hein. Ah merde! Allez! Merde, il y a encore un qui est mort. Non mais ils meurent tous en boucle là, pourquoi? Putain, encore un quoi. Non mais non. Il est où cet enfoiré, il est là. Ok, j'ai réussi. Oh! Une bonne chose de faite. Je peux les tuer, les gars, maintenant, en fait. Ils servent plus à rien.
Ah d'accord. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait là. Le petit bouton. Ouais. Ah, il y a encore un... Ok. Le petit bouton encore. Les panneaux actuellement fermés, utilisez le terminal de contrôle à proximité pour les ouvrir, évidemment. Il se passe quelque chose. Ah d'accord, c'était juste pour nous montrer où aller quoi. Point d'accès au Léviathan scellé. L'analyse révèle de grandes quantités de maldium dans les portes. Si vous le dites. Si vous le dites, moi je vous crois. Ok. Oh. Aïe. Et il m'a pris en fourbe le salaud. Qu'est-ce qu'il a de particulier, lui? Un commandant pirate. Porte une armure en phasite rouge, résiste à la plupart des armements. Ah super. Ah il se téléporte, d'accord. Ils sont où? Allô? Putain, je suis coincé. Attendez. C'est bon, vous m'avez saoulé. Ah, l'autre, il m'a saoulé, là. Ah mais ils vont trop vite. Il faut que vraiment que je me concentre sur lui quoi. Les autres ça sert à rien quoi. Merde. Quoi? Merde. Allez. Putain mais il fait mal en plus ce con. Merde, merde, merde.
Mais crève! Oh non, mais je veux pas mourir, je veux pas mourir. Non, pitié, je veux pas mourir! Il est où l'autre con? Il est là. Putain de merde. Oh, ils sont plusieurs! Oh merde. Et j'ai plus de vie. Il est où? J'ai eu peur. Là, j'ai vraiment eu peur parce que pendant un moment, vraiment, c'était. Il me restait rien comme vie. Hein. Le commandant d'escouade, pas cool. Ils vont me faire faire cette fois-ci. D'accord, ok. L'ambiance me rappelle tellement Quake 2. Faut que j'appelle mon vaisseau, d'accord. Ok, c'est prévu donc. C'est prévu que j'aille en vaisseau. Petite sauvegarde là. Oui. Petite sauvegarde quand même. Hein. Ah, attends. Oh, il est gelé le thé. Blah. Alors, soit je vais à la graine, soit je vais récupérer d'autres trucs. Mais j'ai déjà 78% des objets. J'ai déjà fait mieux que Metroid Prime 1 et 2. Alors les graines, comme d'hab, hein, elles se ressemblent toutes. La la. Aïe, je m'ai cogné. Que ça. Le tentacule résistant de points faibles interne détecté, utilisation d'un viseur. Ok.
fait, faut vraiment utiliser le viseur, sinon ça marche pas, quoi. C'est ça qui est rigolo, c'est que ça passe quand même à travers, hein, le tir marche. Mais si on n'utilise pas le viseur, en fait, ça déclenche pas le truc, quoi. Alors, qui que c'est que ça va être? Oh! Ah bah ça, alors là, dis donc. Un dragon mécanique... Mon père. Ah bah oui. On a vu le point faible. Donc c'est Omega Ridley. L'armure protège le corps, lance des attaques au plasma par la bouche. Oh le mec. Le mec a la pire haleine du monde, quoi. Ouais. Oui, il gratte. C'est un petit chat. Allez, hop. Non, c'est pas ça. Ah d'accord, merde. Ah non, d'accord. Merde. Ok, j'ai compris. Ouf, oh le dash. Allô? Ah d'accord. Quoi? Et il gratte comme Rabia, c'est trop rigolo. Quelle horreur. Aïe. Aïe. Allez. Ah, le petit grattage comme Rabia, c'est trop drôle. Hein. Ça me fait bien rire. Non, ça c'est dash, voilà. Mais je me suis fait avoir quand même. Go 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 go. Putain mais alors ça c'est dégueulasse. Yeah. Mais non mais oh là là mais ce... Mais on a 2 millisecondes pour arriver à son truc, hein. Au plastron, hein.
Allez. Alors, armure en phasite couvre désormais la région cardiaque invulnérable. Mes articulations internes semblent faibles. Allez, voilà, merci. Aïe. Allez! Nouvelle phase ? Non, bah non. Salut Chrisou, comment ça va? En vrai, il y a un boss là. Hein. Ah, je vais retirer son truc là, c'est ça? Voilà. Bah ça va, écoute ça, ça va. L'armure est détruite, l'agent cardiaque est exposé, vulnérable aux attaques phason. Allez, d'accord. Il est où? Il est où ce con? Il est là. Super, super, je le vois pas. Oh non. Oh, j'ai tout mis à côté. C'est la merde. Il arrive par où? Je veux dire, ça va pas me saouler.
C'est bon, je l'ai eu. Eh ben... Oh, la mauvaise haleine, hein. Il y a le cancer de Samus qui commence à devenir un peu plus grand, là, encore, là. Ah, mais j'ai... J'ai encore un truc. Faisais quoi? L'hyper grappin. Merci pour le GG, Chrisso. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a des kéké tuning hein, quand même. Hyper grappin, utilisé. Elle est vraiment full tuning hein, la Samus. Ah, j'ai compris, qu'est-ce qu'il fallait faire sur l'autre truc. Le surcharger au phason, ça y est, j'ai compris. Là, il y a la graine dégueulasse. Et vu qu'on est blindé de phason. Hop, appuyez sur A. Le meilleur. On a du temps en plus, hein, donc c'est pas. C'est pas un truc qui est timé, quoi. C'est vraiment, on appuie A sur A quand on veut, quoi. Et elle va encore se barrer comme si de rien n'était. Oh là 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 là, la classe. Samus la classe quoi. Samus diesel. Mais du coup c'est pas la fin. C'est quand la fin? Oui, c'est vrai. The spread of Phazon corruption has been stopped. This is a great day for the Federation. D'accord. However, there is one more mission to complete. Quoi donc? SkyTown's Aurora Unit 217 reports that it has discovered the origin of the Leviathan attacks. It appears that this is where Dark Samus and her main pirate force are stationed. Destroying them will require a full-scale attack. Unfortunately, this location is so far away it cannot be reached by conventional space travel. We must instead create a wormhole to reach it. Tout va bien se passer, évidemment, hein. The pirates have constructed a Leviathan battleship, which is in orbit around this planet. If we can board this battleship, we may be able to force it to open a wormhole. Large energy surges consistent with a warp device are traveling between the pirate's planet and the Leviathan battleship. It appears the pirates are using this warp device to link to the ship. We will upload the coordinates of this device to you now. Ok, évidemment, hein, il se passe toujours quelque chose. Hein.
C'est super loin. Ah mais c'est peut-être plus loin, mais regardez, faut peut-être juste y aller en... Oui. D'accord. Peut-être juste y aller tout simplement en fait. Hop. Alors, il faudrait que j'aille là-bas. Mais j'ai obtenu ma dernière... Merde, ma dernière batterie. Donc on va retourner dans le vaisseau de mort là. Et puis on va aller placer la petite batterie là. Qu'est-ce que ça va nous donner? Est-ce que ça va nous donner un super objet? Ça va nous donner 5 réserves de... Des réserves de missiles et je vais avoir les boules. Je vais avoir les boules d'avoir attendu 12 chargements. Pour des missiles. Mais bon. La la la. Ah, le jeu charge pas plus vite avec le beau rayon hein, par contre. Hein. Si vous disiez tiens le nouveau rayon. Hop. Ça va charger le jeu trop rapidement. Eh bien pas du tout. Putain, j'ai même pas pu les scanner les machins de merde. Ils sont vénères là. Ils sont vénères les métroïdes là. Par pitié, un jour ouvre la porte. J'en peux plus des chargements de ce jeu. Mais regardez ça. Ah voilà. J'ai pris la max parce que faut attendre 10 plombes que les portes s'ouvrent quoi. Voilà. Se demander si si mon lecteur il est pas mort quoi sur la Wii hein, parce que franchement c'est juste l'enfer quoi. Regardez ça, incroyable quoi. C'est pas incroyable dans le bon sens quoi. Oh. Je vais me refaire choper, je vais me refaire choper parce que la porte s'ouvre pas. Allez, barrez-vous. Ouvre-toi la... Oh là là. Non mais regardez le temps que la porte s'ouvre. D'accord, bah c'est bien. Vous pouvez donner un petit nom. Écoutez, écoutez, super, bah je suis ravi hein. Vous nommez les planètes merdiques où je dois aller Trop bien quoi, je suis vraiment super content pour vous.
Vraiment? Attendez, c'est scripté ou faut que je vraiment que je cours après? Attendez. C'était là. Non. Non, c'est bon. Ça me sert quoi, ça me sert à quoi les réserves de missiles de vaisseau? Ça va être pour la fin? C'est un chargement. Là, c'est un chargement. Si vous disiez qu'est-ce qu'il attend, ce con? Désolé, mec. Allez! Je sais pas comment les speedrunners font pour jouer à ce jeu, hein. Parce que... Merde. Ça casse tellement tout, quoi. C'est juste méga relou, quoi. Ah! J'avais pas scanné ça. Pour de vrai. En fait, je l'ai scanné. Ok. Bon. Bon. Celle avec une porte verte? Comment ça? Attendez, est-ce que j'arrive là? Je suis monté? Je suis allé là? Ah ouais, d'accord. C'est... Ah, ok. Putain, faut que j'y retourne. Putain, faut que j'y retourne. Merde. Merde le jeu. Merde. J'avais complètement oublié. Il va falloir que je me retape la salle avec les Metroid là, oh là là. Non! Oh là là, mais ça... Vas-y, vas-y, hop là. Merci. Ouvre-toi la porte. Pitié. Pitié. Mais ouais, bah évidemment. Mais celle-là, c'est la pire. Hein. Celle-là, c'est la pire porte, hein, vraiment. Non mais celle-là est pas mal non plus d'ailleurs. En fait je regrette, c'était pas la pire porte, celle-là est quand même sacrément merdique aussi.
Bon. Allez. Pas le con. Ok, donc faut pas que j'oublie, il y a une porte à droite, il faut que j'aille à la porte à droite. Non, c'est pas ça. Ils sont derrière, ils sont juste derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Ça fait péter un plomb. Le phason a commencé à absorber le corps du soldat décédé. Porte blindée verrouillée. La brèche de fuselage était isolée. Mesure de machin désactivée. Merde, oh non! Le monsieur, je l'ai débris couvert de grandes quantités de phasons. Les dégâts suggèrent qu'une arme a explosé ici. Ah, déjà ? Alors ici, nous avons impossible d'ouvrir les coutils. Mécanisme de contrôle dans le mur doit mal fonctionner. Structure brisée, tout ce qui reste du réservoir qui contenait l'unité Aurora du vaisseau. Ah oui, d'accord, ok, ça y est, je viens de reconnaître le truc. Rampe d'accès verrouillée, rétablissez l'alimentation pour dans les stations à proximité pour les déplacer. Oh, me dis pas qu'il faut encore une batterie quoi. Ah, c'est pas ce que je pensais. Mécanisme de contrôle des coutils fonctionne mal, l'explosion pourrait débloquer les pièces. Évidemment. Quoi de mieux? Une petite explosion pour tout réparer. Plateforme, les débris suggèrent qu'elle a été déplacée de force. Effectivement, fallait balancer des missiles pour réparer les trucs. Hein. Oh, t'en faut encore des batteries. Putain. Oh, c'était évident qu'il fallait encore des batteries quoi.
Bon bah il n'y a plus qu'à retourner encore une fois au vaisseau. Ça fait chier. Enfin deux batteries encore. Elles sont soit elles sont planquées quelque part. Je vais y arriver. Ouais, je me casse. Pourquoi j'essaie de me battre avec ça? Un jour. Oh! Oh! Vous avez vu? Je suis pas tout seul à avoir vu. La porte s'est ouverte direct. Genre le jeu avait assez dit « Ah, il va par là, peut-être que je vais précharger. » Alors là... Franchement, je suis impressionné, quoi. Le jeu a compris que je voulais aller à un endroit, quoi. C'est ouf, hein. Vas-y, j'ai tiré sur la porte, là. Précharge. Alors je fais des cercles, c'est pas pour accélérer le chargement, hein, mais c'est pour éviter de me prendre des tirs, quoi. Enfin, me prendre les métroïdes. Bon, bah c'est pas encore pour cette fois qu'on saura ce qui s'est passé dans cette station, hein. Je suis pas sûr qu'on y retournera, hein, parce que vraiment c'est tellement chiant. Sauvegarder et entrer, ok. Et donc, il faut que je retourne là-bas. C'était au centre de commandement. Hein. Je suis pas sûr, mais... Allez. Ah mais ils sont là maintenant. Et donc là, faut que j'aille où? Là, hein. Et donc là, c'est au premier étage, c'est ça? Ouais, premier étage. Ah, ils ont viré les... Ok, d'accord. Avant, on se faisait aggro, là, mais on s'est plus aggro maintenant.
Donc maintenant j'ai compris ce qu'il fallait faire. Bah non, je peux pas le... Ouais. Merde! Attendez, mais c'est ouf ça! La masse organique sont résistantes aux attaques normales, mais pourraient être surchargées par du phason. Ah, d'accord. Faut que je sois en mode... En mode corrompu, quoi. Faut que je sois en mode corrompu, sinon ça ne marche pas. Ok. C'est ça que j'avais pas tout à l'heure comme, comme subtilité. Alors, on soulève, on rabaisse, merci. Comme d'habitude, ça marche évidemment du premier coup. Il y a beaucoup trop de chargements dans le jeu en fait. Si j'avais un reproche, un gros reproche à faire dans le jeu en fait, c'est vraiment... Les chargements quoi, il y en a partout, ils sont super longs, c'est c'est vraiment une tannée quoi. On a juste envie de jouer au jeu quoi et on peut pas. On peut pas parce que faut attendre. Ah bah oui, c'est exactement là où fallait aller. Pour une fois qu'on s'est pas perdu pendant des heures. Pile d'énergie actif bloque l'accès au portail. Source d'alimentation à proximité. Le contrôle du portail, absorber l'énergie du terminal pour l'activer, ok. Ça je peux faire. Portail de téléportation opérationnel, connexion avec le Léviathan en orbite établie. Une téléportation primaire actif. Accéder au Léviathan en orbite autorisée. Placez-vous dans l'hologramme. Qui ça? Lolo? L'hologramme? Très fluide. Hein. Alors... Terminal de contrôle dirige le Léviathan. Utilisez le terminal pour contrôler le Léviathan. La cible semble être une partie du noyau du Léviathan, invulnérable à toutes les armes. Organe optique du Léviathan, la cible semble vulnérable à n'importe quel type d'arme.
on a des... okay. On a des gros yeux, quoi. Les gros yeux sa mère du Léviathan. Ship Valhalla has not been fully explored. It is possible that it still holds the answer to some mysteries. Return to Valhalla and search for the command codes. Il me faut deux batteries, je les ai plus les batteries. Ah ou alors faut que j'en enlève. Est-ce que celles que j'ai déjà installées, je peux les renlever? Non, je crois pas. Je crois qu'une fois qu'elles sont en place, elles sont en place quoi. Non mais sans déconner, ils vous font... Oh là là. On se tape 12 000 chargements pour arriver là et que le jeu ils nous dise... Eh. Faut les codes. Faut les codes, c'est tout. Tu sais, le truc qui a été exploré 12 000 fois et t'en reviens là. Bah, faut les codes. Ouais. T'as pas les codes. Bah alors. Bah alors, t'as pas les codes. C'est con. Je déteste le jeu. Parce que s'il faut repêcher de batterie, je sais clairement pas où elles sont. Hein. De toute façon, là, je vais les sauvegarder puis on va arrêter là. C'est ça. C'est bon, ça m'a saoulé. Là. Là, le coup du... Ah bah alors. Alors les codes. Alors les codes. Bah alors, t'as pas pensé aux codes. Vraiment. Là, là non, ça a eu raison de ma patience là. Hop, allez, sauvegarde. On va pas oublier de sauvegarder, évidemment. Hein. À moins con, sinon. Hop, et c'est fait. Des bisous, YouTube. À la prochaine.